Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation du dernier Samsung Galaxy A5, donc la version 2016, et qui envoie du lourd. Alors pourquoi j'ai décidé de vous la présenter? Parce que tout simplement, selon moi, c'est l'un des meilleurs milieux de gamme. Bon allez, c'est parti, commençons la présentation. Pour ce qui est du design, Samsung a moyennement réussi avec une couleur noire et blanche plutôt belle, mais le rose et l'or vraiment moche. Sinon, comme tous les Galaxy A, il garde des contours en aluminium, mais cette fois le dos perd son haut-parleur et disparaît et donc passe en dessous, ce qui le rend plus épuré. Il possède aussi un capteur d'empreinte comme les grands, d'ailleurs qui fonctionne plutôt bien. L'écran est en Full HD à 5,2 pouces avec une superbe luminosité et de belles couleurs. Samsung a mis de bons composants dans ce téléphone, mais il est malheureusement ralenti par son superbe écran. Bref, en tout cas, ils ont mis un Exynos 7580 en octocore, cadencé à 1,6 GHz, accompagné d'ailleurs de 2 Go de RAM. Et malheureusement, il y a un manque d'optimisation, donc de temps en temps, il a quelques petits ralentissements, mais rien de gênant. Du côté photo, elles sont super sympas, avec un capteur arrière de 13 mégapixels et à l'avant de 5 mégapixels. Samsung a bien su travailler de ce côté et nous propose de belles photos pour un milieu de gamme. Et pour l'autonomie, pour une utilisation normale, vous tenez 2 jours, donc c'est franchement super. Donc en verdict, c'est un excellent téléphone, pas très cher et bien performant, il pourrait presque rentrer dans les hauts de gamme, mais il en manque encore un petit peu pour m'impressionner. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like ou même vous abonner, et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.